Au Maroc, le mercure va grimper dès ce jeudi dans plusieurs provinces du pays, avec des températures qui varieront entre 34 et 39 degrés. Cette vague de chaleur devra se poursuivre jusqu'à samedi, notamment à Fribn Saleh, Marrakech, Azilal ou El Haouz. Les températures vont également grimper à Oujda En Gued, Berkane, Driouche, Nador, Guersif et Taouriout. Et pour avoir une analyse scientifique sur les récents changements météorologiques qu'a connu le Maroc, nous avons le plaisir d'avoir en direct depuis Casablanca Saïd Khalourk, professeur en climatologie. Bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Midi TV. Alors, pour commencer, comment expliquer ces changements brusques de température? Après des pluies abondantes et des températures hivernales ressenties il y a quelques jours, les prévisions annoncent des vagues de chaleur. Quel impact peuvent avoir de tels changements météorologiques sur les écosystèmes naturels et également sur l'homme? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que le climat de la planète Terre a changé. Il ne faut plus parler du changement climatique, il faut parler d'un nouveau climat réchauffé, en raison de l'augmentation du bilan énergétique de la Terre. Alors, cette augmentation du bilan énergétique, elle fait un peu chambouler, elle fait activer les règles du jeu, si vous voulez, de la machine climatique. Et à partir de là, on a vécu pendant le mois de janvier une chaleur exceptionnelle, pendant ce mois, mois de janvier, c'était l'hiver. Après, on a reçu des précipitations tardives, certes, mais abondantes, qui nous ont causé beaucoup de problèmes. Et maintenant, on est en retour des de la chaleur. Et peut-être après, on peut avoir un retour de pluie. Alors, ceci, ça devient, si vous voulez, la règle de ce nouveau climat, qui évolue encore, puisque le bilan énergétique ne s'est pas encore stabilisé. Et tant qu'il ne s'est pas encore stabilisé, ça veut dire que la température va encore augmenter. Et avec cette augmentation, on ne sait pas réellement où on va. Alors maintenant, il faut se préparer à ces zigzags du climat avec une augmentation de la température, un retour des précipitations, une absence des précipitations, de la chaleur élevée, de la sécheresse qui peut être prolongée, etc. etc. Et à partir de là, réellement, sur le plan scientifique, on n'a pas de référence précédente pour se baser dessus, pour être clair de ce qu'on dit. Mais, tout le monde sait, les scientifiques, je veux dire, que tant que le bilan énergétique augmente, la température va continuer d'augmenter. Alors, en parallèle, la Direction générale de la météorologie prévoit de jeudi à samedi des températures qui varieront entre 34 et 39 degrés. Il s'agit là d'un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Pouvez-vous nous éclairer sur ces différents niveaux d'alerte et qu'est-ce que cela nécessite comme précaution? Alors, la température va augmenter en raison d'un déplacement de masse d'air qui nous vient du Sahara. Et c'est tout à fait normal pendant cette saison intermédiaire, celle du printemps. Alors, une vigilance orange veut dire qu'il faut faire très attention. Ça ne va pas jusqu'à la limite de rester chez soi, sauf pour des raisons très urgentes. Ça, c'est l'alerte rouge, n'est-ce pas? Mais l'alerte orange, c'est quand même sérieux. Une température qui augmente, que les gens fragiles, que les gens qui ont une petite santé doivent faire attention à eux-mêmes. Il est préférable qu'ils restent protégés de cette chaleur, mais ça ne va pas jusqu'à le grand danger, n'est-ce pas? Mais c'est quand même une vigilance qui est orange, à laquelle il faut se préparer, il faut apprendre à vivre avec. Le réchauffement climatique, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases, est-il le seul facteur responsable de ces phénomènes météorologiques extrêmes? Alors maintenant, moi personnellement, je pense que c'est le bilan énergétique de la planète Terre qui cause ces ondulations entre le froid et la chaleur dans nos régions en particulier. Et à partir de là, rien que cela explique beaucoup de choses. C'est un bilan énergétique qui a augmenté, la zone excédentaire intertropicale s'est élargie, il a bien poussé vers les pôles, et donc la zone froide, si vous voulez, géographiquement froide, s'est rétrécie. Et à partir de là, il y a un grand conflit entre les masses d'air froide et les masses d'air chaude, n'est-ce pas, avec cette suprématie des masses d'air chaude. Et à partir de là, il y a une ondulation qui s'impose entre cette confrontation. Parfois, on est sous l'emprise, enfin souvent, on est sous l'emprise de la masse d'air chaude, mais parfois,
il y a une poussée froide qui peut parvenir jusqu'à chez nous et causer un retour de pluie, et surtout que le ciel est rempli, si vous voulez, d'une humidité élevée en raison de l'augmentation de la chaleur, de la température. Mais maintenant, cette retour de pluie, elle a cessé pour le moment. On est sous l'emprise de cette masse d'air qui est énergétiquement élevée, qui nous vient du sud, qui nous vient du Sahara. Et donc, il faudrait apprendre à vivre avec ce jonglage, cette balance, si vous voulez, entre le haut et le bas de cette température. Merci Saïd Khalour pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur en climatologie.